Donc, je m'appelle Clément, j'ai 17 ans et c'est ma 9e année à l'académie. Je suis rentré quand je venais d'avoir 9 ans en classe de CM1. Moi, c'est Auguste, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Ça fait 8 ans que je suis à l'académie, donc je suis rentré à l'âge de 10 ans en CM2. Moi, j'ai eu envie de venir à l'académie grâce à la musique. Et mes parents ont très vite compris, m'ont accompagné. Alors, moi, j'ai voulu rentrer à l'académie parce que je cherchais une école de musique. Alors on s'est renseigné, on a fait le dossier d'inscription, l'audition, la semaine découverte. Et j'ai vu qu'en plus de cet aspect musical, l'académie avait un aspect familial. Et mes parents ont vu aussi qu'il y avait un aspect humain et formation qui allait m'aider à grandir. Le souvenir qui m'a vraiment marqué au tout début, c'est ma semaine découverte. Quand on arrive le dimanche soir, je vois pas mal d'élèves qui sont en train de faire un foot. Et donc je vais avec eux. Et je vois un éducateur qui arrive. Et qui commence à jouer avec les élèves. Et j'ai compris que 2 jours après le début de la semaine découverte, qu'en fait c'était un éducateur. C'était le premier endroit où je voyais des enfants être avec des adultes et faire une activité ensemble. Mon premier souvenir de l'académie, c'était un concert auquel je suis allé avant de rentrer. J'ai vu un garçon à peu près de mon âge qui faisait un solo. Et moi, ça m'a vraiment marqué parce qu'il était très impressionnant. Alors, je me souviens que pendant le week-end de rentrée, j'étais vraiment pas bien parce que j'étais petit, j'allais quitter ma famille, j'allais être avec 40 garçons que je connaissais pas. Pareil que Clément, j'étais assez stressé pour le début de l'année. Je ne savais pas comment ça se passait avec les grands, même avec ceux de ma classe. C'est possible que j'ai pleuré dès le premier jour, mais les grands sont venus vers moi, pareil, et m'ont aidé à me sentir mieux. Les grands sont vraiment là comme des grands frères pour nous. Et donc ça aide, notamment quand on est petit, qu'on est loin de sa famille. Ça aide vraiment à se sentir mieux et à plus se sentir chez soi. Moi, je me suis vite senti accueilli parce que dans la classe, on est tous ensemble, on fait des jeux ensemble, on fait le sport ensemble. Je me suis rapidement fait des amis. Quand je suis rentré, donc on n'était que 3 en CM1. Et donc on s'entendait tous très bien dans la classe. Mais il y avait aussi cette relation avec les autres classes que j'avais jamais connues avant. Et donc, je me suis senti dès la première semaine dans ma famille. Alors, ce qui m'a fait rester du coup pendant 9 ans à l'académie, c'est le fait de vraiment me sentir chez moi, de me sentir accompagné par les adultes, d'avoir de super amis, d'avoir des moments de musique exceptionnelle avec des grands concerts, d'avoir des moments de cohésion entre académiciens qui reste gravé dans les mémoires. Donc, ce qui m'a donné envie de rester à l'académie, c'est un peu tout, notamment la musique actuelle, le jazz, le rock, ce genre de choses. Même l'esprit qu'on a entre nous, entre les élèves, entre les adultes, la confiance qui règne. On a fait plein de choses, on a pu faire des grands concerts, on a fait des tournées. Oui, on est allé à l'étranger. Au niveau de la vie de l'internat, on a l'occasion d'animer des dîners à thème. On a l'occasion d'organiser des olympiades, de faire des grands jeux ensemble. Même au niveau humain, on a la chance de pouvoir être responsabilisé, d'avoir quelque chose à faire tous les jours et de se sentir oui, utile et responsable. Et ça nous permet de grandir en fait et de sentir qu'on aide aussi l'académie à avancer. Alors si vous avez envie de faire de la musique tout en étant accompagné et tout en vivant dans une ambiance familiale, n'hésitez pas.